Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, grand concours sur la chaîne Vision Hightech, une paire d'AirPods à gagner. Alors pour gagner ce concours, il va falloir que vous soyez abonné à la chaîne, que vous mettez votre plus gros pouce bleu en bas de la vidéo et que vous allez trouver dans la vidéo le mot-clé que j'ai positionné dans un certain endroit. Je vous délivre ce mot-clé. Et ce mot-clé, il faudra le mettre dans les commentaires. Donc surtout, mettez-moi votre plus beau commentaire, votre plus gros pouce bleu. Et je prendrai contact dans 15 jours. Merci aussi pour les 51 000 abonnés. C'est vraiment génial. Bonne chance à tous. Abonnez-vous. Venez nous rejoindre sur Vision Hightech. Et à tout de suite pour la suite de cette vidéo. Écoutez bien, le mot-clé est dans la vidéo. Bon courage à tous et bonne chance à tous. Et bon visionnage les amis. Bonjour à tous et bienvenue sur Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, petit déballage d'une paire d'écouteurs Bluetooth 5.0, les copies conformes des AirPods Pro. Écoutez bien les amis, aujourd'hui c'est cadeau, ça va être un jeu concours sur la chaîne Vision Hightech. Vous allez pouvoir gagner cette paire d'AirPods, cette copie. Vous allez donc pouvoir trouver la marque Joyroom. C'est une marque donc chinoise. Vous allez trouver ça sur Alibaba pour un peu moins de 50 euros. La copie conforme des AirPods ANC est au rendez-vous. Un packaging vraiment ultra complet de luxe dans cette boîte. On peut voir qu'on a exactement le même boîtier que les AirPods Pro. On a exactement les mêmes AirPods, exactement la même application. On a tout exactement, mais en plus, vous allez voir que dans le package, c'est le top, c'est du luxe. La personne qui voudra gagner ce package, il faudra dans un premier temps que vous ayez liké la vidéo. Il faudra m'avoir mis un joli commentaire et dans 15 jours, je prendrai un commentaire au hasard et j'enverrai cette paire d'AirPods Pro à la personne qui aura gagné le concours. Donc n'hésitez pas donc à partager et surtout abonnez-vous. Il faudra être abonné à la chaîne. Cliquez sur cette petite cloche. Donc je compte sur vous. Et le concours donc est lancé. On va déballer ensemble les faux AirPods Pro. Ce boîtier ici que je vous mets en gros sur votre écran, ce sont les vrais AirPods Pro. Ils sont ici face à votre écran. La preuve ici, si j'ouvre le petit clapet, regardez ce qui se passe sur les iPhones. En ouvrant le petit boîtier des vrais AirPods, regardez ce qui se passe. Avertissement, AirPods Pro de Christophe, en tête. Alors, on entend. AirPods Pro de Christophe, 100% en charge. AirPods Pro de Christophe, 100% en charge. Boîtier de charge, 54%. On a le boîtier de charge qui est égal à 50%. Boîtier de charge. Et mes AirPods Pro qui sont à 100% chargés. Ça, c'est vraiment les vrais AirPods. Je vous mets ici, en gros, vous pouvez voir que ce sont les vrais AirPods Pro. Maintenant, passons au déballage des faux vrais AirPods Pro. Et vous allez voir que la comparaison est super impressionnante. C'est parti, les amis. Pensez donc à vous abonner, liker cette vidéo, partager cette vidéo, mettre un commentaire pour gagner les vrais faux AirPods Pro, les amis. C'est parti, on déballe. Alors les amis, donc on est sur une boîte rectangulaire avec, et on peut voir que la marque de ces faux AirPods Pro est Joyroom. Le type de ces AirPods Pro sont les JR-TO3S Pro. On voit en façade les faux AirPods Pro, mais qui me semble, mais si vous les avez franchement dans la main, très peu de personnes pourront faire la différence, car vous allez voir que même au point de vue application, c'est super hallucinant. Le boîtier peut être rechargé sans fil par induction. On a donc le hank qui est l'ANC, la réduction de bruit. On a donc un boîtier de 3500 mAh. On a une boîte très classe. On a une boîte aimantée, un très beau package. Et d'ailleurs, on passe tout de suite à l'ouverture de cette boîte qui va vous surprendre les amis, c'est parti. Je rappelle, ça c'est les vrais AirPods Pro, un truc de malade. On ouvre la boîte. Lorsqu'on ouvre la boîte, donc on va tomber sur
un petit feuillet qui nous indique comment installer les AirPods Pro. Mais si vous vous fiez à cette vidéo, vous allez les installer sans problème. Voilà les amis, le package complet, ce package de luxe qui est ultra hallucinant à ne rien comprendre. Pour moins de 50 euros, vous avez un package avec, en partant de la droite ou du haut de la boîte si vous la tenez normalement, vous avez donc un petit boîtier. Et dans ce petit boîtier, si on l'ouvre, et ce boîtier, si on glisse la petite bague qui le renferme, voilà. Donc vous ne rêvez pas, lorsqu'on ouvre la boîte, on a deux paires d'embouts supplémentaires changés suivant la taille de votre conduit auditif. Un super beau package avec une petite dragonne, franchement c'est la grande classe ce package. 50 euros vous avez une paire d'AirPods qui est hallucinante. On remet ça dans la boîte puisque le petit gagnant, le petit vénard qui va recevoir la boîte, va avoir exactement le même package. Passons au boîtier des AirPods. Là les amis, c'est du lourd. Donc, on a toujours une petite bague qui renferme le boîtier. Alors, regardez ce boîtier, je vous le mets de très près. On a exactement à gauche le boîtier des faux AirPods et à droite le boîtier des vrais AirPods. Qui est capable de faire une différence? Qui est capable de dire que à droite ou à gauche, ce sont les vrais ou les faux AirPods? Si je mélange, qui est capable de me dire à droite ou à gauche où sont les vrais AirPods? Je vous montre ici les faux AirPods Pro. Donc on peut s'apercevoir qu'on a exactement le même design que sur le boîtier, le même petit bouton reset que l'on a derrière les vrais AirPods Pro, et on a exactement la même chose derrière les faux AirPods Pro. Devant, on a exactement le même emplacement que les vrais AirPods Pro. Lorsqu'on ouvre nos faux AirPods Pro, on a de vrais AirPods Pro. Je suis presque même moi-même en train de me perdre. Donc on est devant de faux AirPods Pro qui coûtent aux alentours des 50 euros. La même copie conforme. Le même boîtier. Recharge à induction. Port Lightning. On l'ouvre et vous allez voir quand on l'ouvre ce qui se passe exactement sur les iPhones. Et tout ça, c'est à gagner grâce à Vision High Tech. On continue. On nous gâte. On nous donne un package complet avec la petite coque en caoutchouc rouge, de couleur rouge, avec le petit mousqueton. Donc une coque de protection pour vos AirPods rouges complète. On va tout de suite la mettre d'ailleurs. Donc ça donne un super design. Hop, je vous les rentre. Tac. On ferme le capot. Nos faux vrais AirPods Pro sont maintenant à l'abri dans leur housse. Ça m'évitera aussi de les confondre avec les vrais. Parce que je peux vous dire que il faut être vraiment fort si le boîtier est à l'extérieur de retrouver des vrais défauts. Donc voilà les faux AirPods Pro dans leur coque. Le vénard qui va recevoir ça m'en dira des nouvelles. Franchement, c'est le top. Allez, maintenant on va passer à l'appairage. C'est parti et vous allez voir les similitudes dans l'application qui sont impressionnantes. Alors, on finit le déballage. On va lever la coque en plastique. Et dessous, les amis, vous ne rêvez pas, on va retrouver un câble Lightning vers USB pour recharger notre boîtier. Mais pas de souci, car si vous avez de la recharge par induction, vous allez pouvoir charger vos faux AirPods Pro par induction. Ensuite, on va trouver la petite notice qui, elle, est en chinois et en anglais. Donc, à part que vous soyez anglophone, sinon, elle ne vous servira à rien. Voilà pour le déballage des Juarum et JRTO 3S Pro. Vraiment, je vous mettrai donc tous les liens dans la description. Et comme chez Juarum, ils ne travaillent pas au hasard, ils m'ont envoyé en même temps que les AirPods Pro leur système de recharge à induction, le JR A23.
Donc un système compatible 7,5 watts, 10 watts et 15 watts. Donc un système de recharge par induction, une petite plaque, un petit rond qui va servir à poser vos AirPods dessus ou vos smartphones sans problème, compatible, charge rapide. On va tout de suite en faire le déballage ensemble. C'est vraiment un super package qu'ils m'ont envoyé, c'est vraiment le top. Le chargeur à induction. Alors vous pouvez voir que c'est vraiment ultra classe. Alors on a donc un très 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 beau design. On va enlever le petit plastique par-dessus. Alors comme vous pouvez voir, on a une plaque en verre très design. C'est vraiment très stylé. Ça va faire super joli avec vos AirPods. Avec bien sûr le câble qui se connecte dessus. Et ce câble est de type C vers USB 3.0. Une recharge rapide. Si vous avez donc un adaptateur 15 watts, 10 watts, vous allez pouvoir recharger rapidement vos smartphones grâce au Joaroom A23. Un adaptateur à recharge et induction rapide, le top quoi. Lorsqu'on a connecté notre Joaroom A23, donc notre chargeur à induction, on a donc une petite lumière bleue par devant qui nous dit qu'on est bien connecté. Et on peut tout de suite s'apercevoir sur le dessus que la petite lumière s'allume. On est bien en train de recharger nos faux AirPods Pro. Voilà donc, le mot-clé à mettre dans la description sera « Mettez ce mot-clé dans la description pour participer au concours. » Vision high-tech, faux AirPods Pro. Voilà le mot-clé pour gagner les AirPods Pro. Et là encore, pour moins de 30 euros, vous avez ce super chargeur à induction. Allez, on va appairer nos AirPods, c'est parti. Voilà, on a donc le boîtier avec les JRTO03S Pro, c'est-à-dire les faux AirPods Pro. Si j'ouvre ce boîtier, regardez, écoutez les amis ce qui se passe, c'est assez impressionnant. Vous allez voir, on croirait ouvrir le boîtier des vrais AirPods Pro. Et les deux iPhone en cœur nous disent ce ne sont pas vos AirPods Pro. À gauche, on a donc les vrais AirPods Pro. À droite, on a donc les faux AirPods Pro, alors que ce n'est pas des AirPods Pro. Le jumelage se fait exactement comme si vous veniez d'acheter des AirPods Pro. On va les jumeler ensemble. AirPods Pro, vous connectez à cet iPhone. On va donc les connecter. Connexion, bouton. Connexion, connexion, bouton. On a donc un bouton connexion que je valide tout de suite. Fermer, bouton, maintenir appuyé. Maintenez enfoncé le bouton au dos du boîtier de recharge. On nous demande de maintenir appuyé le petit bouton au dos du boîtier de recharge. Maintenez enfoncé le bouton au dos. Ce que je vais faire tout de suite. Ici, on nous dit de fermer puisque normalement la connexion s'est bien déroulée. On n'entend plus du tout le téléphone parler, ce qui veut dire qu'on a correctement jumelé nos faux AirPods Pro. À l'identique, bien sûr. On ferme. On a donc notre boîtier rouge qui est les faux AirPods Pro, avec même une possibilité de cacher la connectique pour que ce soit correctement hermétique. Donc à droite on a les faux, à gauche on a les vrais. Voyons voir ce qui change au niveau de l'application entre les vrais et les faux. C'est parti. Si je rentre dans l'application des vrais, voilà comment ça se passe. Et à droite on a les faux AirPods Pro qui sont nommés JRTO3S Pro. Si je rentre à l'intérieur, et regardez-moi ça les amis, à gauche comme à droite, à gauche les vrais, à droite les faux, exactement la même configuration d'application. On a tout exactement la même configuration pour les faux que pour les vrais. Alors, la seule chose qui va être différente, c'est l'ANC. Franchement, là, côté gauche, Apple gagne
vraiment le combat, puisque le côté réduction de bruit n'est pas ce qu'ils font de mieux. Ils réduisent le bruit, mais c'est pas le plus efficace. J'ai été assez surpris quand même de l'efficacité, mais il faut dire quand même que c'est pas exactement la même réduction de bruit qu'on trouve sur les vrais AirPods Pro. Une différence qui va être aussi à remarquer, ça va être là où on appuie sur la tige. La réactivité va être moindre, bien sûr, sur les AirPods Pro. On aura une meilleure réactivité que sur les faux AirPods Pro. Tout le reste, c'est exactement les mêmes. Si on part sur le test d'ajustement des embouts, on est vraiment sur la même configuration. On fait continuer. Et on fait continuer. Toujours à droite les faux, à gauche les vrais. Exactement les mêmes fenêtres, rien à redire, un truc de fou. Mais vraiment pour moins de 50 euros, on a carrément une vraie paire d'AirPods Pro avec pratiquement les mêmes fonctions. C'est vrai que c'est top. Bien sûr, ils vont se connecter automatiquement à votre iPhone dès que vous allez sortir du boîtier. Et si on fait un test YouTube, voilà, donc on est rendu sur une vidéo YouTube avec les JR3S Pro, donc les faux AirPods Pro. Si j'enlève un de mes AirPods, la vidéo, exactement comme les vrais, se met en pause. Ce qui veut dire qu'avec un, si je le remets dans mon oreille, la vidéo repart. Ici, ce que vous êtes en train de voir d'ailleurs, c'est le déballage de l'iPhone 12 blanc. Si vous n'avez pas vu le déballage, allez voir sur ma chaîne. C'est une des vidéos qui marche super bien actuellement sur ma chaîne, c'est le top. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne Vision High Tech, à liker, à partager cette vidéo comme d'habitude. Je vous mettrai donc tous les liens pour le chargeur à induction. Je vous mettrai aussi les liens pour les AirPods Pro, les JR03S Pro. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces faux AirPods Pro. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision High Tech. Abonnez-vous, venez nous rejoindre, plus de 50 800 abonnés, le top. Likez, partagez et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo pour de nouveaux produits accessibles. À bientôt les amis, portez-vous bien et à très vite pour une prochaine. Salut à tous.